Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tellement ravi de vous retrouver encore à un nouvel épisode de Lelo Talk. Vous connaissez déjà le nom, c'est Jules aka Young Zoc, voilà. Le Lelo Man, le Lelo Gangster, et le casseur de papo national. Et oh, les gars, qu'est-ce que j'ai l'habitude de répéter ici? Je dis souvent que quoi? Hein? Qu'il faut craindre les... Répondez-moi là, les gars. Qu'il faut craindre les... Craindre les femmes, non? Hein? De nous considérer juste comme si nous étions bêtes et puis craindre les femmes. C'est ce que je ne cesse de répéter ici. But our mumu nature will not allow us to understand that. Et oh, en anglais, en tout c'est où? Ok, let's go. On est dit, mais est-ce que vraiment on est dit? Ok. Hey les femmes. Hey. Si je répète qu'il faut craindre les femmes, prenez note, hein? Mettez ça en considération, prenez ça très sérieusement, hein? Parce que c'est ce que les femmes sont en train de faire maintenant là. Même si nous étions de vrais cons, de vrais salauds, des vrais imbéciles là, il n'y a personne, hein? Il n'y a personne qui peut nous traiter comme les femmes le font aujourd'hui. Il est possible. Toi, en tant que ma copine, hein, moi, je ne peux pas t'acheter un téléphone et tu vas enregistrer mon nom comme étant quoi, ma? Tu vois, moi, je t'achète un téléphone et toi, tu enregistres mon nom comme grosse tête, big head dans ton téléphone. Hein? Grosse tête, big head. Dans ton téléphone, il y a donc un ample téléphone noir, au nom qu'on a mis et ta grand-mère et ta papa, le téléphone ou quoi? Hein? Ça te surprend, non? Oui, c'est l'histoire que j'allais vous raconter. Oui, ça s'est passé au Nigeria. Le gars, le tonton, il a acheté un téléphone à sa copine. Parce que la copine n'avait pas de téléphone, son ancien téléphone est gâté. Tu sais, il achète le téléphone à la copine, quelques jours plus tard, il retrouve dans ce téléphone-là le nom d'un autre gars, hein, qu'elle a surnommé My Love. Dans ce téléphone, le téléphone que moi je lui ai acheté, il a écrit le nom d'un autre gars, My Love, dans ce téléphone. Et moi, mon nom là, elle a mis Big Head, et ta grand, grosse tête, et ta papa, et ta glama, ta pemba, et ta glamata. Dans ce téléphone que moi j'ai utilisé mon argent pour acheter, pour elle. Ah, les femmes aussi, hein. Miséricordieux, vous êtes cruel, vous êtes méchante, hein? Femme quoi. Elle a le culot de dire que non, que le gars en question, c'est son frère. T'es là. Son frère. Que vraiment son gars même, qu'elle a sauvegardé le numéro comme My Heart. Ma hacke, mon cœur chaud. Alors que le gars même, hein, le gars même en question, a vu son numéro enregistré sous le nom Big Head. Ah, mais laissez ta main, ton quoi. Hey, vous êtes méchante. Hey, les femmes, il y a certaines d'entre vous là. Ah, méchanceté, au sort d'eau, au sort mon milieu de vie, mais quoi. Hey là, regardez la vidéo. Brother, what you call see the happen again? I just saw that they hear on our voice. No, man, listen to you. It don't do now. Never go to save boy number. You go to save boy number with my love. You go to save my number. You should, brother. You go save my number with my big head. Now God will punish you. My God will punish you. I buy phone for him. He said no girlfriend, my girlfriend. I buy phone for him. Finish. He go to save on that boy number with my love. Then me, go to save my number with big head. Now God will punish you. Which phone? I want to save your number with big head. That one when I said with my brother. I don't know your phone. Stop now. Give me the phone. Stop all this thing now. Give me the phone. Which one? Give me my phone. Give me my phone. Give me my phone. Okay, give me first. Give me. Why you go give me the phone? I want to save your number with
Oh, bros, he dog do now. He dog do now. Oh, may you leave her now. You won't kill her. Comment vous pouvez être si méchante comme ça? Et malgré tout ça là, hein, quand le gars était en train de chercher le téléphone, la fille ne s'est même pas rendue compte pour demander pardon ou bien essayer de calmer le gars et tout ça là. Et malgré pompo de nous promener, elle n'est punch. Elle continue de lui envoyer des punches. Hein? Comme quoi, c'est pas le téléphone qu'il lui a acheté. Donc, téléphone qu'on t'a acheté, il y a seulement 4 jours là, c'est gâté jusqu'à quelqu'un d'autre t'a acheté un autre téléphone. Téléphone que le gars t'a acheté là, il reconnaît plus le téléphone qu'il t'a acheté. C'est pas le téléphone que tu m'avais acheté. Hé, femme quoi. Yeah. Et que le gars, c'est son frère, que lui, il a sauvegardé son nom comme My Heart, mon cœur. Alors que mon gars, très vaillant, un gars clever a vu son numéro enregistré sous le nom de Big Head. Et ta glama. Et ta baba. Et ta goro. Grosse tête. Vous voyez mes gens. Donc c'est normal. C'est normal. Moi je ne blâme pas le gars. Hein, qu'il ait cassé le téléphone. Je ne le blâme pas. Parce que toi aussi. Si tu étais à la place du gars. Tu seras tellement énervé que tu ne sauras plus quand tu aurais cassé le téléphone. Hein, parce que c'est le téléphone. Elle est allée à l'eau. Hein, je l'ai cassé. Yo! Quelqu'un qui a sorti son argent pour t'acheter un téléphone. On est donc là, mais on met ta glace, ma grosse tête, Big Head dans le téléphone. Et tu renommes quelqu'un d'autre. Comme My Love. Et on va marcher. Hé les gars, le tonton, le grand frère a cassé le téléphone. Mais dites-moi, de vous à moi, il a bien fait ou bien il a mal fait? Le grand frère a bien fait de casser le téléphone ou bien il a mal fait. Quand, si tu étais à la place du grand frère, qu'aurais-tu fait? Si tu étais à la place du grand frère, tu aurais fait quoi? Dis-moi, je veux comprendre. Hé, hey, les filles, si vous étiez à la place de la go, de la tata, vous auriez fait quoi? Vous auriez fait quoi? Mina Magnala, hé là! Si vous étiez à la place de la go, vous auriez fait quoi? Débat haut, Mina Magnala. Les commentaires avec. Les gars, c'est ça qui me ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. C'était là, Jules et Young Zog. Bientôt, Mignan, you already know. Et pour les nouveaux là, et pour ceux qui sont en train de regarder mes vidéos et ri, en clando là, s'il vous plaît. Assez, c'est assez. Abonnez-vous à la chaîne. Et nous qui m'y commandez, vous avez assez ri de mes vidéos. Oui, ça vous a fait tellement du bien. C'est l'objectif. Mais s'il vous plaît, le geste, ça ne vous coûte rien. Likez, abonnez-vous à la chaîne. Allô les gars, soyez gentils aussi avec moi. Ah, c'est vos likes et vos abonnements à ma chaîne qui me donnent la force. Vous avez oublié ou quoi? Allez les gars. Et oh, peace.